peut faire de la muscu là. Bah tiens, tu me donnes la barre à 40. Vas-y. Et tu peux, on peut coucher ça? Ça tient ça? Ouais. Ça tient ça? Ouais. Mais gros, t'as pété mon banc là, t'es sûr dans ce que tu dis? Bon, allez, j'arrête, gentiment. Ouais. C'est bon, gentiment. C'est bon. Voilà trop! Non, mais c'est bon, je rentre chez moi. Voilà trop! Non, mais c'est bon. Putain! Ouais, on voulait faire une intro, les gars. Non, oh, c'est bon, ça va. Ouf. Ouais, y'a rien. Ouf. Bon, bah, bonjour, les amis. On voulait faire une petite intro drôle. Les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En compagnie de Tominou. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour annoncer un beau projet, un bien plaisir quand même, pardon. Qu'est-ce qu'il fout, biceps? Ah, tu fais ça comme ça? Bah ouais, tu peux, mais ça nique la main, ça. Eh gros, ouais, ton truc qui tient, ouais, t'inquiète. À ton moment, je t'assomme. Tu fais quoi, toi? Venez, les copains, on va vous montrer le projet de l'année 2020. Ça va être beau, ça va être magnifique. Venez, voir. T'es pas bonjour à mes abonnés, toi, ça te... Petite pince? Petite pienne, ça? Alors, bienvenue dans mon nouveau chez moi, mon nouveau. Non mais j'emménage chez Tominou. Alors quand je dis j'emménage, bien sûr, c'est tout ce qui est moto, atelier, tout ça. Bon, ma maison a été vendue, j'ai plus mon garage, il fallait bien un nouveau truc. Tominou m'a dit ouais, viens chez moi collègue, je dis à Penny. Tominou, explique-nous, c'est quoi ce hangar, c'est quoi cette grange, explique-nous. Bah... Tu veux que je t'explique quoi? Bah ça, c'était quoi avant et tout? Ah, ok. Alors ici, il faisait quoi le mec, à ton avis? Du tabac, ouais c'est ça, du tabac je crois. Ouais, il fait à l'époque, tu vois, c'est vraiment une maison de l'époque. Ça date de quand ça? Elle a 300 ans la maison, donc fais le calcul. Ouais, elle a 300 ans. Arrête. Tu sais, elle a 300 ans, et l'autre, elle devant, elle a 200 ans je crois à peu près. Allez, vas-y, ouais. Du coup, ouais, il faisait du tabac ici. Moi, du coup, j'ai racheté cette maison et cet endroit est devenu mon hangar. D'accord. Qui, au fur et à mesure, a évolué, mais pas trop non plus, tu vois. Donc, c'est là qu'on faisait de la mécanique vite fait, avant, tu vois. Avant, on faisait de la mécanique dans la poussière. Voilà. Et là, en gros, les gars, le gros changement de 2020, c'est vu que moi, j'ai emménagé ici, entre guillemets, j'ai motivé Tom tout le temps. Je disais, gros, c'est con, on a vraiment un putain de potentiel. On peut mettre une mezzanine et tout. Donc, il va y avoir quoi ici? Annonce un peu parce que c'est ton hangar, je l'annonce en pas. Gros, en gros, ici, qu'est-ce qu'on fait? Il y aura les motos. C'est et quoi tout. Le plan d'attaque là? Bah, en gros, je vous explique, je vais peut-être habiter dedans. Tu vois, il y a moyen. Voilà. Du coup, on va faire un truc habitable. Parce que si tu vas habiter dedans, faut une belle toiture, faut de l'isolation. Ouais. Voilà, tu vois, il faut un truc où tu peux vivre dedans. Du coup, ici, belle dalle. Ok. Donc, on fait une dalle à neuf, les gars. Une dalle à neuf, donc c'est ça, une espèce de chape en fait, qu'il y a déjà une dalle de base. Faut savoir que les gens, Tom il a mis un énorme coup de karcher partout, c'est beaucoup plus propre, on l'avait montré sur ma chaîne secondaire. Mais ça reste une dalle qui est vraiment pas stable, faut refaire quoi, 10 cm c'est ça ton père a dit? On avait calculé hein, ouais, 10 on va dire cm, une dizaine de centimètres pour avoir un truc bien plat, bien nickel. Donc une belle dalle, une toiture, ça c'est vraiment le point trop bien. Et on va faire une mezzanine habitable, en haut on va faire une genre de gaming room, on pourra streamer sur des jeux vidéo, on pourra faire des soirées, plein de vidéos, les gars ça va être génial. Et ici Gros atelier. Donc ici ça sera l'endroit où on mettra les bécanes, toi tu veux? Yes. Bon, inutile de vous préciser que le hangar va être archi sécurisé. Ça on va pas vous communiquer tout non plus parce qu'on voudrait pas se faire niquer quoi. Ouais. Mais t'inquiète pas, le hangar il sera sécurisé de A à Z, ce sera parfait. Ici t'auras les bécanes attachées, etc. Alors, pour l'instant on dit ça comme ça, mais après ça se trouve à tout moment on va mettre les motos là. Voilà, ouais, c'est une idée. Après pourquoi pas l'atelier ici tout le long. On va aussi mettre 6 belles dalles LED sur les murs que j'ai commandées. J'ai commandé aussi des prises. Des prises de courant, des interrupteurs. Et j'ai commandé, je voulais commander de la peinture, mais ça sera à venir plus tard. Et donc voilà. Et regarde, ce qui est génial, c'est que tu vois ces poutres, on va les garder. Et en fait, en haut, on va pouvoir du coup reprendre, faire une mezzanine. On va monter en haut, ensuite on va vous montrer. Mais ouais, ça va être. En haut, le caméraman pourra le dire, même toi, on l'avait déjà dit. En haut, c'est tout. J'ai toujours rêvé de faire un petit truc, on va vous expliquer. On va vous expliquer, ouais. Moi aussi, je voulais te dire un truc. C'est, moi, plus tard, j'aimerais bien, et je vais le faire, de toute façon, je vais acheter un compresseur. Ah ouais. Que je reprendrai le jour où je pars. Mais on aura un compresseur, on va peut-être aussi un truc pour le mur, tu sais.
avec le cordon qui vient, tout ça. Ça, ça s'appelle un truc, c'est un nom bizarre, ça. Tu sais plus c'est quoi. Tu sais plus c'est quoi. Ah, c'est un rouleau. Un rouleau, je crois. Ouais, je pense à un rouleau. C'est pas ça le mot. Ouais, en gros, c'est branché à ton compresseur et toi, tu tires. Ouais, tu tires, tu le calques, tac. Non, ça, on va vraiment faire un bel atelier, en fait. On voulait faire un putain d'atelier, mettre du matos et tout. Mais moi, je me suis toujours dit, mais c'est con, on n'a pas les bases, on n'a pas une bonne dalle, on n'a pas une mezzanine, on n'a pas de toiture, on peut rien faire, tu vois. C'est la base d'un hangar, entre guillemets, d'une pièce, tu vois. Ouais. Mais là, on aura les bases, donc on peut faire ce qu'on veut après, tu vois. On aura vraiment les bonnes bases. Donc vraiment, là, on vous filme vraiment le avant-après, ça va être génial. Il y aura des épisodes, les gars, ça sera disponible sur ma chaîne secondaire, Hugo Prod. J'ai deux chaînes, n'oubliez pas, j'ai deux chaînes YouTube. Et là, on va vous montrer un peu l'avancée, tout ça. Et sur cette chaîne-là, on se retrouvera bientôt, quand tout sera fini. Mais là, il y a du boulot, hein. Faudra le garder pour nous, ça, le avant-après. C'est un truc. Bah, on va le montrer, on va le partager, on va tout montrer. Parce qu'ils kiffent, les gens, suivent l'histoire et tout, tu vois. Montons en haut pour expliquer un peu ce qu'on veut y faire. Bon, nous voici du coup au premier étage. Donc comme tu peux voir, tu vois, tout à refaire, la toiture est dégueulasse. Quand j'y pense, on regarde la gueule du mur. Ouais, ouais, on va ouais. Faire aussi. Il y a pas de mezzanine, il y a rien du tout. Tout est à refaire en fait. Tu vois, là, t'as des trous partout à tout moment. Non, mais il y a rien. Mais il y a vraiment une belle surface et un beau truc à faire. Et d'ailleurs, mec, c'est ici qu'on va se plaire le plus. On sera tout le temps là, mec. Bah ici, ouais, ça sera le coin de détente en fait. Donc en gros. Moi j'avais pensé, mezzanine là, ici on laisse l'escalier sur le côté. Ici en gros c'est t'as fini ton live, bah tu viens décompresser quoi. Ouais et puis live gaming c'est en haut hein. On va faire des lives mécaniques en bas, hein. Après je sais pas si on va faire des live gaming là-haut. Tu vois te ramener tout ton setup là. Oui. Non. Chaud, oui. Chaud. Bah frère, si t'as une putain de pièce à vie, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, après je vais vous expliquer. Vas-y, explique moi. En gros, moi j'ai toujours rêvé, c'est bah même dans nous trois, je pense qu'on a toujours rêvé de ça. C'est un coin où tu te poses avec tes potes, tu vois. T'as un petit canapé, une petite télé, une petite sono, tu te mets une petite série Netflix. Ouais. Je vois même. Maintenant, avec Hugo, on a fait un pacte. Ce qu'on dit, on le fait. Parce qu'avant, je disais, ouais, je vais faire ça, je le fais jamais. Cette fois, je vais le faire. Une petite mezzanine. Là, t'es posé dans ton canapé, tu regardes ta série, tu peux regarder les étoiles, tu décompresses. Et tout le monde, là, je suis trop chaud. Vraiment, ça rentre pas trop bien, les gars. Les rêves, en fait, le rêve, tu vois. Et c'est vrai qu'on en dit ça avec Tom maintenant. Dès qu'on dit un truc, on le fait, on n'attend plus. Parce qu'en fait, ça s'appelle procrastiner. Ça. Ouais, et faites ça, les gars, parce que vous gagnez. Enfin, pas vous gagnez du t'avances, temps. T'avances. Mais t'avances de ouf. Et c'est un truc de ouf. Et ça, mon gars, je le fais maintenant, et Tom aussi. Faut qu'on tient le coup. Hein. Ouais, parce que moi, avant, je disais, ouais, je fais ça, je le fais. Là, typiquement, tu vois la vidéo, fallait qu'on la fasse. Tu vois, là. Ouais, on l'a fait. Voilà. Et du coup, belle mezzanine, tout à niveau, du beau plancher, une toiture. Et même. Et ensuite, moi, j'ai ramené mon canapé de chez moi et tout. Vas-y, dis-moi. En plus, ouais. Et même si moi, parce que. Il y a moi que pourquoi pas habiter dedans, je mets un petit lit là, je remets ma batterie, un petit canapé, et je te jure ça. Et moi j'ai ramené ma guitare, on fera des morceaux. Tu sais faire de la batterie, Léon? Ouais, de la batterie. Bah avant, attends, ça va faire au moins. Vas-y, moi j'apprendrai la guitare, gros. 8 ans. On monte un groupe, le CLG Crew chante. Bah pays. Et là-bas, la porte, on pourra là. Tu vas continuer ou tu vas bloquer tout? Je sais pas. Je pense qu'on va tout bloquer. On fait une petite salle de bain là-bas. Enfin, habitable. Mais elle va dire. Ouais, enfin, il y a moyen de. Non, ouais, parce que moi, je pense que je boufferai tout chez moi et je viendrai le soir ici, tu vois. Mais vraiment, on va faire un truc bien propre, t'inquiète. Moi, je suis trop motivé. Le problème, c'est que c'est pas chez moi. Mais moi, en attendant mon vrai local à moi, mon garage à moi sur mesure que j'ai projet dans l'année 2021, je vous en parlerai bientôt plus tard. De ce que tu m'as dit, tu vois, mon truc, ça va être un truc de ouf. Mais ce que Hugo va faire. Ouais, non, moi, ça n'a rien à voir encore. Hein. C'est un projet que je parle depuis longtemps sur ma chaîne Twitch, tout ça. Là. Bon, vous êtes pas tous au courant, mais dans l'année 2021, pardon. Je dois faire construire, normalement. Un grand garage oh là là. En bois. En haut, je vivrai en haut.
Et voilà, je te dis pas plus. Voilà, c'est la base, je te dis pas plus. Voilà. Donc ici, ouais, vraiment très belle pièce et beaucoup de travail. Oh, mais oui. Franchement, le résultat, mais moi, je passe mes soirées ici. Et c'est con, mais gars, je viens ici, on fait journée mécanique, on fait de la moto, on arrive le soir, on a peut-être un frigo, c'est une prise électrique. On met de la viande, on fait un barbecue. Je dis, ouais, je suis fatigué, on fait soirée. Mais on dort là et tout, tu vois, c'est vraiment le meilleur truc du monde, gros. Ouais, ça va être génial, les gars, ça va être génial, génial, génial. Eh, j'ai pensé, tu mets des bandelettes de couleurs. Ouais. Quand tu regardes ta série, tu te mets ambiance, hop, tu ramènes une petite gazelle, tu mets des bandelettes rouges, et puis voilà, t'envoies la sauce, quoi. J'ai rigolé, c'est bon. Bien sûr que t'as raison. Et moi, j'ai déjà passé la première commande, j'ai commandé des prises électriques. Mais non, je l'ai déjà dit, hein. Prises électriques, ouais, des dalles LED, tout ça. Et la lumière en haut, faut pas qu'on oublie. On fait de la lumière. Ouais, mais c'est moi, ça, tu vois. Toi, t'as déjà commandé masse truc. Après, c'est à moi, t'inquiète. Relax. Ouais, je sais, mais bon, je suis trop pressé, tu vois. Les gars, on a déjà l'isolation et tout. On a tout, les gars, c'est top, c'est top. Tomino, est-ce que t'as quelque chose à dire encore? Bah, franchement, là, j'aimerais bien cliquer et faire ça et que ça soit direct fait, parce que là, ça. Non, c'est pas drôle sinon. Mais ouais, la charpente. Hein. Même là, elle est même pas droite. Mais ça, probablement, tu me dis il y a 300 ans, je peux te croire. Ah, la maison, elle a 300 ans, il y a la date et tout. C'est des arbres, en fait. C'est des arbres, gars, t'as encore les écorces et tout. C'est carrément des arbres, en fait. Hein. Des petits arbres qu'ils ont. Ah, ça date de ouf. Les tuiles, je sais même pas comment ils les faisaient avant, mec, dans l'ancien temps, mais. Bah, je sais pas. Bon, en tout cas, les gars. Ça va être un putain de projet, si vous êtes chaud, un petit pouce bleu, copain, abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, hein. Et puis voilà, on va redescendre en bas. Bon, voilà, c'était une petite vidéo pour vous annoncer ça, les gars. Donc là, on est actuellement le 1er juin 2020. Voilà, il y a du décalage, ouais. Tout ça. La dalle, ça devrait arriver maximum d'ici 2 semaines. Ouais. La toiture, on ne sait pas encore, mais ça va se suivre. Moi, je déménage, j'emménage ici environ le 15, un petit peu avant le 15. Et puis voilà, mon gars, je suis trop chaud! En vrai, qui n'a jamais rêvé de ça? Tu te rêves là-haut, là tu descends, t'as tes bécanes, mon pote! Ah ouais. Non, sérieux, ça va être génial, les gars. Eh, franchement, j'ai hâte et je vais me donner à fond dans ce projet. Même si c'est pas chez moi, tu vois, je vais quand même rester au moins 10 ans, donc. Non, je pense que là, le loyer va bien. Abonnez-vous à la chaîne! Achetez un petit pouce bleu, les gars, merci pour le soutien! Un gros, faites bien les filmer! Gros pouce bleu! Instagram, Hugo Pro Officiel. Et c'est tout. Je sais même pas pourquoi je rigole. Et Tomino sur Instagram. Abonnez-vous à une bonne vidéo. Ciao.